6-9 la matinale, matin sport. Sport. Et du foot pour commencer avec la Coupe d'Algérie. Mahamat Djebbour, bonjour. Bonjour. 32e de finale. 32e, c'était un match en retard des 32e de finale entre l'équipe de Mecheria et d'Al-Bayed. Al-Bayed qui en championnat est revenu très fort. Eh bien la Coupe d'Algérie, c'est ça le bonheur en Coupe d'Algérie. 0-0, ça s'est joué au pénalty et les pénaltys ont souri à la formation de Mecheria. Al-Bayed éliminé dès l'entame de la compétition. On va écouter l'entraîneur de Mecheria, Amine Kdeni, sur la qualification de son équipe. Je pense que le match était un match difficile pour les deux équipes. Les matchs de groupe, c'est comme ça. Même si on avait fait une mauvaise entame du match, il y avait une réaction positive des joueurs. On a pu égaliser rapidement et on a su gérer le match. Ça a été un match équilibré, même si on a peut-être laissé la possession du ballon à l'équipe de Bayern, mais on a été bien organisé. On avait la possibilité de marquer le deuxième but. C'est allé jusqu'au pénalty. Je pense que c'est une qualification méritée. Je suis très satisfait du rendement des joueurs. Je pense que c'est une qualification très prometteuse qui nous donne confiance pour la suite, surtout du championnat qui reste assuré le maintien dans la Ligue 2. Voilà donc pour la qualification de Mecheria. Un mot pour rappeler que la Confédération africaine de football a désigné l'arbitre malien Boubou Traoré pour diriger le match entre la formation tanzanienne de Young Africans et le Chabab Riyadi de Belouizdad, rencontre prévue ce samedi au stade national de Dar es Salaam pour le compte de la 5e journée de Ligue des Champions. Il sera assisté par Saïdou Diama du Burkina Faso et Modibo Samake du Mali. Avant la 5e journée, je rappelle que le Chabab Riyadi de Belouizdad occupe la 2e place avec un goal à verrage particulier bien meilleur que celui de Young Africans. Les deux formations comptent 5 points. La première place est occupée par le Ahli du Caire qui totalise 7 points. Madéama ferme la marche avec 4 points. Alors il faut savoir que Madéama recevra l'Ahli. Le CRB doit ramener un nul et gagner le dernier match pour se qualifier pour les quarts de finale. Également, stage pour notre équipe nationale des U20 sous la houlette de Yacine Mana. Stage qui débutera le 23 de ce mois, qui s'étalera sur 5 jours. L'objectif du stage, préparer le tournoi de l'Union nord-africaine qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations. C'est ce que précise la Fédération algérienne de football, stage qui se déroule sous la houlette de Yacine Mana, l'ex-entraîneur du CS Constantine pour la catégorie des espoirs. En tennis de table, championnat du monde tennis de table, 3e défaite sans surprise pour la sélection nationale messieurs, battue par le Danemark 3 manches à 1. Également pour nos dames, battue par la Thaïlande 3 manches à 0. La sélection nationale affrontera l'Australie alors que les dames seront opposées aux États-Unis. Du cyclisme avec le Tour du Rwanda, le premier cycliste algérien à avoir franchi la ligne d'arrivée hier, c'est Azdine Lagab. Il est rentré à la 44e place. Sur la distance, elle était de 129 km reliant la ville de Mouanga à celle de Kibéo. Alors que le deuxième Algérien lors de cette seconde étape, c'est Ayoub Sehiri. Aujourd'hui, 3e étape du Tour du Rwanda qui débutera à 10h ce matin et s'étalera sur une distance de 140 km. Et puis du basketball avec le match de Super Division de basket messieurs qui a opposé Dalaria au milieu de Boufarik. Le match s'était arrêté, la rencontre s'était jouée fin janvier et le match avait été interrompu à la mi-temps en raison d'une bagarre entre joueurs des deux équipes. Il a été rejoué hier donc et qui a vu la victoire de l'équipe du Wydad de Boufarik. Voilà pour l'essentiel, on enchaîne sur la plus prestigieuse des compétitions. Mahamat Djebbour, Simeone annulé par Inzaghi, mais la fascination s'arrête là parce que Milan ambitionne également de se retrouver en finale. Vous parlez de l'Inter de Milan qui avait déjà disputé l'Atlético la finale l'année dernière face à l'Atlético. C'est deux oppositions de style. D'un côté, une équipe de l'Atlético Madrid qui a complètement changé sa manière sur le plan de l'animation du jeu, sur le plan tactique. Une équipe qui, cette saison, sous la houlette toujours de son entraîneur, Diego Simeone, a décidé de passer à un 3-5-2 qui représente, qui fait que ça met l'équipe en difficulté, notamment sur le plan défensif, qui était l'une des forces de cette équipe de l'Atlético Madrid, qui possède la deuxième meilleure attaque de la première partie de la Champions League européenne. Deuxièmement, avec deux joueurs, Morata et Griezmann, qui restent parmi les meilleurs buteurs. Je rappelle en revanche, la faiblesse, c'est que l'équipe perd. Elle a perdu 6 matchs en Liga,
c'était pas arrivé assez souvent à cette formation. Mais elle est beaucoup plus plaisante à voir. Elle propose un football plus porté vers l'offensif, avec notamment ces deux pistons du côté de l'Atlético Madrid. C'est vraiment une révolution hein, pour l'entraîneur Diego Simeone. En face, vous avez l'Inter. L'Inter qui domine la compétition, qui domine la Serie A, qui est bien parti pour conserver son titre de champion, qui n'aura connu que deux défaites. Mais tenez-vous bien, deux défaites où ? À domicile. C'est pour vous dire que cette équipe, parfois, eh bien, peut perdre. Mais dans le même temps, on regarde de l'autre côté, l'Atlético Madrid a connu six défaites. Et six défaites où ? À l'extérieur. Une opposition de style, deux des meilleures équipes. Il y aura du spectacle aujourd'hui, parce que moi j'aime bien la manière de jouer de l'Inter. Toujours de la verticalité dans le jeu, de belles combinaisons de jeu, mais également le visage a complètement changé de l'Atlético Madrid. Dans le deuxième match, il y aura un Algérien, Ben Sebaïni, avec le Borussia Dortmund, qui sera opposé au PSV. Au PSV Eindhoven. Le PSV Eindhoven reste une des grandes écoles, un des grands clubs du football hollandais face au Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund qui est quelque peu rentré dans le rang cette saison, puisque d'habitude on retrouvait le Borussia Dortmund en duel avec le Bayern de Munich. Cette saison, ce n'est pas le cas. Ils sont rentrés dans le rang, dans le championnat en Bundesliga, puisque le duel se résume au Bayer Leverkusen, Bayern de Munich, même si le Bayern de Munich cette saison connaît plein de difficultés avec, il me semble bien, le titre complètement perdu avec 8 points, non, c'est perdu, 8 points de retard, le Bayer Leverkusen avec un entraîneur Alonso qui reste très demandé. Voilà les deux affiches de cette journée, deux belles affiches en perspective. Puis on terminera. On va terminer sur un moment clé dans le mouvement sportif national. Ce moment clé, c'est le renouvellement. Le renouvellement, puisqu'on est on arrive sur un cycle olympique, ça va débuter le mois prochain. Le renouvellement des clubs, au niveau des ligues et au niveau des fédérations. Les fédérations, c'est en dernier, puis ça se terminera avec le comité olympique algérien. Alors, ce qu'il faut, tout d'abord, ça sera la présentation, rappelez le processus, hein, ça sera la présentation du bilan moral et financier qui devra être adopté par l'Assemblée Générale. Et puis, un peu plus tard, ça sera l'élection, l'AGE, comme on l'appelle, l'Assemblée Générale Élective, qui portera soit de nouvelles figures à la tête des clubs, notamment ce qu'on appelle les CSA, et soit faire renouveler la confiance à ceux qui ont travaillé. Aller chercher une nouvelle fois la confiance doit passer par le mérite, doit passer par le travail, doit passer par l'organisation, par la manière dont vous avez structuré votre club pour lui permettre de grandir, pour lui permettre de s'installer dans le paysage, dans le mouvement sportif national, tant au niveau des clubs, tant au niveau des ligues, qu'au niveau des fédérations. En revanche, le danger, où est-ce qu'il est le danger ? C'est au niveau des fédérations, quand on cherche, notamment au niveau des fédérations, à aller contre le bon sens, multiplication au niveau de clubs, au niveau de l'Assemblée Générale. Pourquoi ? Pour aller chercher des voix. Mais dans le même temps, vous allez affaiblir complètement votre discipline. C'est le cas pour de nombreuses disciplines, notamment sur les sports ou sur les disciplines qu'on appelle les sports collectifs. Je parle du handball, je parle du volleyball. Le football, c'est assez particulier. Voilà donc ce qui attend le mouvement sportif national. Et je voudrais juste terminer par l'anniversaire du comité olympique algérien. J'ai lu plusieurs publications. Il y a eu le 60e anniversaire du comité olympique algérien. Il y a de grands noms qui ont été oubliés. Je veux citer notamment M. Zerouri. Ça ne vous dit rien, Zerouri. Zerouri est un entraîneur de ce qui se fait de mieux en matière, d'entraînement au niveau de la hauteur. C'est lui notamment qui a travaillé, qui m'a amené Ahmed à une médaille olympique. Je voudrais également rappeler Amar Bourras, qui avec Hassiba Boulmerka, qui n'ont pas été invités et qui n'ont pas eu reçu de distinction, qui a amené Hassiba Boulmerka au titre de première médaillée d'or algérienne. C'est par leur travail, par leur abnégation, par leur savoir-faire. Et c'est grâce justement à ce type de technicien. Et je peux vous dire qu'ils sont très demandés au niveau international. Un oubli, je dirais. Et j'espère que cela sera rectifié lors du prochain anniversaire du comité olympique algérien. Merci Mamar Djebbour, il est 7h29 sur Alger Chaîne 3. Restez bien connectés, branchés, l'info dans quelques secondes.